Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. L'actualité sociale a fortement été chargée ce week-end avec l'appel à manifester de différents mouvements. Tout a commencé vendredi avec la grève scolaire pour le climat, ce mouvement international qui propose aux étudiants de faire grève le vendredi pour la justice climatique, part de la jeune Greta Thunberg, une militante suédoise qui a tenu des manifestations régulières devant le Riksdag ou le Parlement suédois à Stockholm. Après sa prise de parole à la COP24 de Katowice, en Pologne, elle a insufflé un vent de révolte à travers les jeunes générations, rappelant aux grands dirigeants de ce monde que chaque jour, ils se targuent d'aimer leurs enfants tout en condamnant au quotidien par leurs actions l'avenir de leurs enfants chéris. La marche du Friday for Future a réuni des milliers de jeunes à Paris avec des slogans pleins de créativité comme « Réchauffer les cœurs, pas la planète », « Quand c'est fondu, c'est foutu », Vous mourrez de vieillesse, nous n'aurons pas cette chance. Ne vous plaignez pas si vous n'avez pas de petits-enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie de notre jeunesse ne veut plus rester profil bas à attendre ce que le monde des adultes leur prépare, et chaque jour, ils constatent un peu plus l'ampleur de la tâche à accomplir. C'était donc un vendredi jeune, dynamique et plein d'enthousiasme qui a réuni à travers le monde, au-delà des frontières et des préjugés, des millions de petits humains conscients que l'avenir se fonde sur le vivant dont ils font partie. Samedi était une toute autre histoire, les mouvements sociaux ont rassemblé les gilets jaunes un peu partout en France et une seconde marche pour le climat en référence à l'affaire du siècle. Une pétition en ligne lancée par 4 ONG pour porter plainte contre le gouvernement pour inaction climatique et son non-respect des lois. Après plus de 2 millions de signatures, le pouvoir politique n'a apporté aucune attention à cette mobilisation. Aussi, cette marche du siècle appelait tout de même chaque organisation, défenseur du climat, gilets jaunes et autres, à une révolte globale puisque mis bout à bout, chacun commence à entrevoir l'issue. Lorsque les problèmes sont échangés, lorsque chacun sort de son individualité pour partager sa vision, des connexions se font et finalement c'est un même système qui est montré du doigt. Sur Périgueux, plus de 700 personnes ont participé à la marche du siècle. Monsieur Green a participé à la marche du siècle d'Angoulême, organisée par la Charente bouge pour la planète, et vous a préparé un petit micro-trottoir. Les tenues de plage étaient de rigueur pour un réchauffement assumé, l'ambiance très festive et pacifique, une jeunesse encore présente qui avait trouvé la force d'enchaîner une seconde journée pour le climat. À peu près 2000 personnes ont été comptabilisées sur Angoulême. Tout de suite, un petit tour d'horizon du cortège. Alors pourquoi vous êtes-vous déplacé aujourd'hui ? Il faut s'asseoir. Pour le climat ? Puis pour faire bouger les choses, quoi. Je pense qu'il va y avoir du monde, donc je pense qu'il faut mettre la pression maintenant, quoi. Puisque rien ne bouge. Voilà, moi je pense qu'il faut passer au plan B, là. Et alors, est-ce que vous pensez que je vois derrière les gilets jaunes ? Oh, mais même cause, moi je pense. Parce que moi, voilà, plein du pognon, en fait, c'est ça qui tue tout. Voilà. Et oui, l'argent qui dirige le monde, celui qui par un manque de régulation a du mal à ruisseler vers l'économie réelle et aurait tendance à s'entasser dans un tout petit recoin, créant forcément de multiples inégalités. Le réchauffement climatique est le plus important facteur d'inégalité au monde. Si vous y ajoutez la vampirisation des richesses et le renoncement à un état social, vous amplifiez de manière systématique les inégalités. Aussi, le climat, l'économie et le social ne peuvent se dissocier dans la recherche de solutions efficaces. La mobilisation pour le climat apparaît également de manière plus spontanée, venant de l'intérieur de soi-même comme une évidence. Allez-y. Alors bonjour à vous, dites-moi pourquoi vous vous êtes réveillé ce matin en vous disant « je vais aller marcher pour le climat ». Eh ben, comme il faisait beau, il fait beau, c'est je me suis dit « c'est génial, on va aller se balader ». Ben voilà, je suis mobilisée sur les questions du climat, ben comme beaucoup d'autres gens, pas forcément militante tous les jours. Oui. Si on résout le problème du climat, tout devrait aller quand même mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, oui, c'est évident. Ok, mais très bien, merci à vous. Je vous en prie. Et bonne journée. Bonjour.
Il envahit notre quotidien, il est partout, au point peut-être que l'on ne s'en aperçoit même plus, effaçant la nature pour laisser place à l'inertie et à sa décomposition lente, très lente. Alors aujourd'hui, on manifeste pour le climat. Pourquoi vous êtes déplacé? Je me suis déplacée parce que je crois que c'est important et urgent d'agir et de sensibiliser un maximum de personnes et surtout un rapport particulier avec le potager. Savoir comment on peut devenir autonome dans ce monde où on ne vend que de la merde sous plastique, comment on peut continuer à manger bien et comment sensibiliser les jeunes à ça. Et là, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas que ça. Avoir un accès aux semences qu'on a envie d'avoir. Arrêter d'avoir du plastique partout parce qu'on ne mange que du plastique en fait. Bon, bien, merci. Merci, et monsieur. Bonne manif. Oui. Hein. Bonjour à toi, alors dis-moi pourquoi es-tu venu aujourd'hui à la marche pour le climat, en même temps les gilets jaunes? Moi je suis venu là parce que je pense que les deux mouvements participent d'une seule et même chose, c'est-à-dire une émancipation du pouvoir politique populaire qui peut permettre et qui est à mes yeux la seule condition pour permettre d'enfin prendre la direction qui est nécessaire et vitale pour la survie de l'espèce humaine. Les organisateurs espèrent plus de 1000 personnes, à Angoulême en tout cas. Ça mobilise des gens. Moi, le seul problème que j'ai, je trouve que c'est très bien qu'on sorte dans la rue. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'on sait que la marche n'est rien d'autre qu'un moyen de se rencontrer. Si ça ne mène pas après, pousse pas les individus à fonder des groupes entre eux et à s'organiser pour reprendre la main. Pour reprendre la main et surtout pour commettre des exactions, entre guillemets, que ce soit bombe à graines ou même réinventer des modes de lutte. Parce que pour moi, vraiment, on est dans une situation d'urgence qui est sans précédent dans l'histoire de l'humain. Et il faut qu'on en saisisse le sens juste. Les gouvernements, en fait, aujourd'hui, ne servent finalement qu'à légiférer sur des pratiques économiques et industrielles. C'est leur utilité principale et non pas du tout de faire remonter des opinions ou des points de vue des peuples ou des spécialistes. On le voit, hein, le GIEC dit des rapports de ouf depuis 30 ans et tout le monde s'en bat les couilles. Il y a 2 millions de gens qui signent une pétition, tout le monde s'en fout, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont complètement déconnectés, qui ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils veulent faire, qui sont tournés vers la défense de certains intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et quand on leur demande gentiment, poliment, pacifiquement, de faire quelque chose ou de nous rendre un peu de pouvoir politique, ces derniers nous envoient la police. Je pense qu'à un moment, il faut que chacun en tire les conclusions qu'il a à tirer et trouve des gens qui partagent des affinités morales et fassent des actions. Si on est là juste pour se sentir mieux dans son ego, ce que je comprends très bien, ce que beaucoup d'actions écologiques font, sur moi par exemple, si je trie mes déchets, je me rends compte qu'en vrai, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Mais contre l'éco-anxiété. Mais voilà, c'est ça exactement. Donc en fait, il faut réussir à discerner ces actions qui sont faites juste pour notre ego, pour notre anxiété écologique, du coup, etc. Et celles qui sont... qui vont produire quelque chose. Et je pense que dans ces actions qui vont produire quelque chose, le défi qu'on a actuellement, c'est d'aller plus loin dans la puissance de ces actions et plus loin dans l'intelligence qu'on a de les mener. Même sûrement plus loin dans la radicalité qu'elles doivent porter. Bon, mais très bien, bonne manif à toi. À toi aussi, c'est et un plaisir. On est plus chaud que le climat, c'est ça? Ah bah ouais, grave. Ce qui est intéressant dans ce dernier témoignage, c'est qu'au-delà de la manifestation contestatrice et de la ponctualité de ce type d'événement, retrouver le goût du débat et surtout celui de construire, de s'organiser ensemble pour le futur que nous souhaitons, en sortant de nos petits cocons individuels placés sous le signe de boulot, dodo, loisir, plaisir, permet de se réapproprier ce qui nous appartient de tout temps, mais que nous avions par confort délégué à des responsables en nous emmitouflant dans nos vies consuméristes. Pour le climat, il est encore temps. Pour le social, il est encore temps. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babosses. Green, tu vois? Mais tu vois, Green, absolument. Green, plus Green.